Allez, salut tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui, journée un petit peu spéciale. On a rejoint Contentus et comme Déborah et Franck passent le permis fluvial la pratique aujourd'hui, il fallait un coéquipier pour Johan, donc je suis sur le bateau. Et voilà, avec ma chance légendaire, on arrive à la première écluse. On vient de partir, hein, on est parti à 10h, on vient de partir, on arrive à la première écluse. Elle est en panne, elle s'ouvre pas. Voilà, donc on est en train de se mettre à quai là pour voir comment on fait. Allez, je vous explique ce qui se passe. Je suis allé voir la VNF, donc sauter à quai, remonter, machin. il y a deux yachts qui sont à l'écluse d'après. Comme l'écluse là, elle est pleine, ils voudraient les faire passer avant. Et donc, il les fait passer avant nous, on est bloqué pendant une petite demi-heure, donc on va reboire un café, et après on va repartir. Allez, donc on nous annonçait une petite demi-heure, ça fait une heure. Ça y est, la porte elle s'ouvre, ils sont en train de rentrer dans l'écluse, apparemment ils ont eu quelques petits soucis, et nous on est toujours en train d'attendre, là, dès qu'ils seront sortis, on va pouvoir prendre la place et avancer. Et voilà, le moussaillon à la manœuvre. Et qui fait l'écluse? C'est la tienne. Hein? Il peut faire avancer? Ouais, il va avancer tout seul, t'inquiète. Ah ouais. On perd pas la main, ça va. Ça va. Tu reprends un bateau? Ouais. Ouais. Demain. Allez, troisième écluse, faite. On attend que ça s'ouvre. Ça devrait pas tarder. Voilà. On va dire ça devrait pas tarder. Voilà, vous l'avez en direct, l'ouverture de la porte. Voilà, donc Yo-Yo, il m'a dit film, c'est un pont canal. Donc le canal, il passe au-dessus de la rivière, apparemment. Donc on va voir en passant. Alors ça, j'ai vu ça à Toulouse, notamment, mais là, il passe pas au-dessus de la rivière, il passe au-dessus de la rocade. Le canal du Midi passe au-dessus de la rocade. Ah oui, il passe au-dessus de la rivière. Voilà. Donc voilà, on est sur le canal, mais on est au-dessus de la rivière. Putain. Alors, l'avantage en bateau, c'est que ça avance pas. Donc, on a le temps d'observer le paysage, de... Regardez la faune, la flore, le... wow, c'est très beau. Hein. Et alors, il est où? Je l'ai vu tout à l'heure, je ne le vois plus. Il s'est barré. Il s'est barré, non. Il y avait un héron. Non, il est là. Il est caché dans les herbes. Il ne bouge plus. Il ne bouge pas, il bouge pas. C'est un peu ça. Donc voilà, on va juste là. Allez, après les hérons, les canards, maintenant on a un cygne au milieu. Alors je sais pas s'il va bouger. La petite halte nautique de Foulon. Alors, je sais pas si vous le voyez au milieu. Allez, là on va être bloqué un petit peu, faut le temps que l'écluse se vide. Voilà, avant qu'on puisse rentrer. Salut! C'est moi qui suis à la barre! On va couler! Non, on va pas couler! Ouais, t'as dit tout, mais on les reconnaît les flemmards, même pas capable de se tenir debout. Bah, il est bas le. La barre elle est basse. Hein. Et donc? Même moi je peux tenir debout. Bah oui, mais moi je vais me faire mal au dos. Oh là là, Pépé, il va se faire mal au dos. Bon, je me vois bien là, moi. C'est beau. Bon, il fait pas beau, mais c'est beau. Bah, il pleut plus déjà. C'est déjà un bon début. On va pas se plaindre, il pleut plus. C'est pas faux. Salut, salut tout le monde. Voilà, donc on va se balader aujourd'hui à la tuffière de Rolampon, à côté du canal. Voilà, un tout petit village. On va voir des sources
pétrifiante, voilà, je cherchais le terme. Non, c'est pas moi qui décide. Allez, petite surprise à côté du parking. Une petite cabane qui a été construite, voilà, c'est très joli. Et bien fait. Et bien, et quoi? Et bien fait. Hein, bien fait pour toi, non mais... Voilà, donc pour expliquer un peu le principe de la source pétrifiante, c'est une eau qui est calcareuse, il marque sur le panneau, alors calcaire hein, tout simplement, qui bah, transforme certains végétaux en minéraux. Voilà, le mélange des deux, le calcaire et le va donc pétrifier les minéraux, les végétaux qui sont autour en minéraux. Voilà, donc on va aller regarder ça. C'est parti. Et bah, chut. Un autre panneau, là avec le... Ça s'appelle une carte? Non. Jure. Je suis là. Du coup, là, c'est la rivière qu'on va aller voir, non? Si je ne me trompe pas. Non, on va voir ça. Qui est là. Et nous, on est là. C'est pareil. Il y a 350 mètres et on arrive là. D'accord. Et ça, c'est les choses qu'on n'a pas le droit de faire. Y va-t-il ? Et pour rajouter un tout petit peu de folie, tout petit peu, on a autour d'un monde. Bon, il en manque un. Parce qu'il a pas voulu venir. Voilà. C'est ça les ados. Ouais. Mmh. Bah Alice et moi on est des ados, pourtant on est bon. Non, vous êtes des pré-ados. Et alors? Des champignons. Il est trop moche les champignons. Là, là, ils sont plus beaux là. Ah oui. Et je me suis pris une feuille sur la tête. Yo, il y a des champignons. Vous êtes légèrement barge. Je crois que papa, il a un nouveau délire, c'est faire le bruit de la... De la biche. Mais les gens ils savent pas quel bruit ça fait. Mais vas-y, montre-leur. Ça fait. Bah voilà, si vous voulez, bah, allez voir sur Google. Ça marche bien. Petit pont de bois. T'as parlé alors que ça fait même pas une seconde. Et petit pont de bois. Le petit pont de bois. Le petit pont de bois. Le petit pont de bois. C'est une chanson de Yves Duteil. T'es complètement malade, surtout. T'as fait marcher qui? On veut rien, on la voit à 10 km à la ronde. Bah ouais, mais tu l'avais pas vu. Oui, bah oh, je regardais pas le porteur, moi. Le petit pont. Alice, tu vas y aller là-bas? Tu peux tourner, toi. Tu vas bouger. Voilà, Alice a fait le test, on peut tous passer. Je vais faire une petite explication pour le marquage des chemins de randonnée. Donc ce chemin, il dit que c'est une randonnée qui est moyenne, puisque c'est jaune, et donc qu'il va falloir que on aille tout droit et qu'après on tourne à gauche. Voilà, je vous montrerai les différents signes en avançant. Une pomme de pin. Hein, les deuxièmes petits signes. Donc là, il y a bien la flèche qui dit qu'on tourne à gauche par rapport à celui d'avant. Et voilà, et là on a les deux traits, vert et jaune, qui veulent dire on va tout droit, tout simplement. Le numéro, c'est parce que c'est, ça doit être le chemin de randonnée numéro 61. Toujours le même signe. Un peu plus caché celui-là. Voilà, alors si vous regardez, les signes, on les voit soit sur des petites pancartes, soit sur les arbres. Rapproche-toi pour qu'on voit. Directement. Voilà, directement peint sur les arbres. Donc ça, ça veut dire tout droit. Ça grimpe? Bah, un petit peu. Légèrement. Allez, un nouveau signe, donc la croix, qui veut dire t'es pas sur le bon chemin. Voilà, donc on l'a et en panneau et sur l'arbre, parce qu'on le voit pas forcément bien sur l'arbre. Mais voilà, vous l'avez. Ça, ça veut dire qu'on n'est pas sur le bon chemin. Donc, demi-tour. Demi-tour, et on va prendre le bon. Okay. Alors, on a une belle vue sur la rivière en bas. Vraiment. Et une petite explication sur tout ce qui est les arbres. Non, alors, c'est sur le fait qu'il y ait des sécheresses depuis 2018. Mmh. Et donc, on a des dépérissements du massif. Et donc, on le voit, notamment, bah, des marques brunes qu'on a sur l'arbre. Ouais. Voilà, sur les bouleaux, ça fait des taches blanches. Mmh. Et voilà, c'est la sécheresse, les sécheresses qu'on a eues depuis des années qui ont fait ces taches. Voilà, qui rendent un peu malades les arbres. D'accord. Voilà. Une bonne petite explication, ça fait toujours plaisir. On a une petite cascade en bas, un peu cachée, genre qui fait un peu grotte. Trop beau. Magnifique. Non, mais c'est ça qu'on voyait. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, sur le... Ah, alors, là, ça filmait le panneau? Ah, le panneau là, il dit sens interdit, c'est comme la croix de tout à l'heure, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de passer de l'autre côté. Évidemment. En même temps,
Tu sautes, tu fais le saut de l'ange. Voilà. Autre point important. Le point jaune qu'on a vu sur l'arbre qui est là. Que j'ai pas filmé parce que j'ai oublié. Voilà. Ce point jaune, eh ben, il montre un point d'observation ou de retournement. Qui est actuellement là. Voilà. Salut Valou. C'est des explications sur des fouilles archéologiques. Alors non, ils expliquent que les tuffières, la tuffière là où on est, ça fait. Vous mettez 5 terrains de foot, côte à côte. Ça fera 105 mètres par 350. D'accord, et l'explication là ? Et l'explication là, c'est. Voilà, ils ont fait des fouilles archéologiques. Remontons désormais le couloir du temps, la première trace d'activité humaine, 750 avant Jésus-Christ. Eh ben, purée. Voilà. Ils ont fait un bail. Voilà. Ils ont trouvé des trucs qui datent de 750 avant Jésus-Christ. C'est pas tout jeune. Donc, tu m'as dit quoi ? Alors, comme c'est un sentier qui est aménagé par la commune, vous pouvez trouver aussi des petites bornes avec des flèches, comme ça. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas les films de randonnée. Comme ça, c'est plus simple. Voilà. On va en avoir un devant avec une croix. Ici, ouais. C'est pas par là. Faut surtout pas sauter du pont. Mais non. Il y a un chemin là. Donc c'est pas ce chemin là, c'est celui à gauche. D'accord. Voilà. Pour c'est tout ce que ça veut dire. On retrouve la petite croix. Oh, un mini petit lac. C'est quoi, c'est quoi ça? Tu peux pratiquement marcher sur l'eau. Mais non, tu peux pas marcher sur l'eau. C'est des petits verres. C'est une blague. Voilà. Purée, l'eau elle est claire. Mais oui, parce qu'elle est filtrée par les algues que tu as au-dessus. En fait, les algues que tu as vues où on peut marcher sur l'eau. Je crois qu'il y a une bébête dedans. Tu as dit on pouvait marcher sur l'eau, mais en fait ça filtre l'eau. D'accord, mais je crois que le truc en marron brun là, c'est une bébête. Où ça? Mais non, c'est une branche, c'est une racine. C'est par sûr. Contre, il y a des petits insectes d'eau. Ah oui, les araignées d'eau, tu connais? Voilà. Un autre point d'observation. Encore. Donc, on a un nouveau point de vue comparé à là-bas. Voilà. Et là, vraiment, on a la mousse qui devient plus marron là-bas. C'est pas très visible avec les branches. Voilà. Mais après, on va voir en bas, elle devient du minéral. D'accord. Laisse-moi deviner, c'est écrit là? Non. Non? C'est écrit à l'entrée là-bas. Oui, c'est vrai. Et surtout, à ne pas oublier pour les peu intelligents qu'il y a, faut pas franchir les barrières. Non, sinon on va abîmer les. Tu vas abîmer les plantes et en plus, Tu risques de tomber, c'est dangereux. Ouais, et tu vas retrouver ta grand-mère. Oh. Désolée pour la blague méchante. Alors, faut noter que dans la vie, il y a des choses pas logiques. J'ai vu des points rouges tout à l'heure, alors qu'on est sur un sentier jaune, c'est ça? Oui, bien joué. Et là, tout à l'heure, il y avait des points bleus. Oui, je crois que c'est juste, il y a des gens, ils ont voulu perdre les gens. Voilà. C'est tout. Alors, je viens de lire sur un panneau, donc voilà, ici, on est à l'emplacement de la mine. Il devait être une mine de calcaire, c'est là où ils venaient creuser. Comme ils expliquaient sur le panneau, la mine, il y a du calcaire, mais il y a aussi du fer. Donc, on entendait les pioches entrechoquer la roche de fer. Voilà, donc on a perdu autour d'un monde, mais... Comme on a le marquage, eh ben on suit le chemin de randonnée. Sinon, on suit la voie de Noé et d'Alice. Non, on va suivre le chemin de randonnée. Et on a les flèches, et tout est balisé, et on ne peut pas se perdre. Voilà, donc on est au pied de la carrière. Voilà, avec la marque des marteaux piqueurs, des... Des coups de mine. Des coups de... Pioche. Voilà. Donc voilà pour expliquer les différentes strates qu'on voit. Alors c'est la roche, c'est de la tuf, c'est ça qui était exploité. Et les différentes lignes qu'on trouve ici, c'est les différentes époques. Voilà, c'est l'ère du temps. Allez, là on les voit encore mieux, les strates, les différentes épaisseurs, couches. Voilà. Qui montre le travail du temps. Allez, autre signe, celui-là on ne l'avait pas vu encore.
Bon, vous en doutez, ça veut dire on tourne à droite. Cherchez la... Bah, c'est le premier voyage avec le bébé. Hein. Cherchez la... Oh, tu veux chiffre. Non, mais c'est rien, là. Alors, pour les mésaventures de la balade d'aujourd'hui, je vous invite à aller voir la vidéo d'Autour d'un Monde qui vous expliquera la mésaventure. Moi, je vous ai expliqué le chemin de randonnée, elle va vous expliquer ce qui nous est arrivé. Bonjour, voilà, aujourd'hui, il pleut, il fait pas beau, on a décidé de faire un gâteau. Mais comme on n'a pas de four, eh ben, nous allons essayer le four nomade Omnia, voilà. Donc on va tester ça, là il me reste à fariner, huiler mon moule, et on va faire chauffer tout ça. Là, ben, je viens d'allumer le gaz, pour mettre à préchauffer. Alors la petite astuce, parce que nous la poignée, elle est coincée. Ah, le capote. Voilà, donc hop, je vous montre, j'ai mis ma préparation dedans. Voilà, posé sur le gaz, allumé, je l'ai préchauffé un peu avant. Voilà. Il leur explique comment ça marche. Et on va mettre ça pas trop fort. Voilà, alors pour expliquer comment ça marche, vous avez vu, au milieu, il y a un trou, on pose sur le gaz, il y a une plaque à poser sur le gaz, un moule en inox au-dessus qui va répartir la chaleur par le trou du milieu, un moule en silicone pour mettre le gâteau et le couvercle. Point, il n'y a rien d'autre à toucher. Et là, on a un four normal. Alors, la petite astuce que j'ai vue récemment, c'est quand on veut dorer, ou faire gratiner un peu au-dessus, il suffit d'ouvrir un petit peu le couvercle pour chasser la vapeur, en fait. Parce que c'est un four qui va marcher par la vapeur. C'est-à-dire, voilà. il est passé au milieu, la chaleur se diffuse par le milieu, retombe par le couvercle, chauffe le gâteau. Donc, le fait d'ouvrir un peu, la vapeur, elle va se sauver. Et ça va gratiner. Alors, voilà. Chez nous, on a le trou. Non, c'est pas assez. C'est le pas trou, assez. Il est pas assez gros. Bon, la viteuse, et puis voilà. Bon, allez, je vous montre ça, on va une fois le gâteau fini. Allez, je vous montre, on est pas en fin de cuisson encore. Hein. On est à la mi-cuisson, un peu plus de la moitié. Voilà. Par contre, on n'est pas droit du tout. On le voit dans le moule. Si je vous montre, voilà. Bah, écoute, c'est pas grave, on va faire au mieux. Voilà. Bien. Voilà, alors pour vous expliquer à la fin, bien important, il faut le sortir de la plaque en ferraille parce que sinon la cuisson elle continue. Et si on regarde, ma cuisson elle est parfaite. Voilà, magnifique. Allez, je vous montre déboulé. Voilà, juste pour vous montrer un peu, regardez comme il est moelleux ce gâteau. Il va être voilà, dans le four nomade. Avec de la chantilly. Donc pour expliquer comment ça se présente, bougez pas, je vous montre. Aïe, il faut. Voilà, une plaque qu'on met sur le feu. Un moule en inox, un moule en silicone et le couvercle. Voilà. C'est tout. Et dedans, on fait gâteau, gratin et autres. Allez, autre point important quand on est nomade, c'est de pouvoir trouver une solution pour pouvoir travailler un petit peu. Donc moi, la solution, elle est toute bête. Je suis développeur informatique à la base de formation. Donc, je vous montre ça. Voilà, je crée des sites internet. Donc, création de sites, dépannage informatique, tout ce qui peut se faire en informatique ou presque. Voilà. Donc là, actuellement, je suis en train de créer un site pour essayer de voir pour que des parents nomades ou pas d'ailleurs puissent donner des cours de l'aide aux devoirs dans les matières qu'ils préfèrent et voilà, et pouvoir aider les enfants. Voilà, je vous avais pas montré, on est à la halte nautique au bord du canal à Rolampon. Donc voilà, là vous avez le Contentus, le fameux. Voilà. Encore une fois, une aire gratuite avec l'eau, l'électricité. Voilà. Alors pourquoi on s'est mis là? Parce que on regarde le ciel, il fait pas beau. Donc chargé avec le solaire, c'est pas génial. Donc voilà, on s'est mis avec du 220. Alors, autre info, je vous ai dit, il faisait pas beau, on entend le vent derrière.
Voilà, bah, il fait pas beau parce qu'on est mercredi, qu'on attend la fameuse tempête Kirk pour ce soir, cette nuit. Voilà, donc le vent commence à se lever. On verra ce que ça donne. On est moi, je suis à l'abri des arbres. Voilà, Contentus est bien amarré. Ben, le camion, il est à l'abri des arbres aussi. Voilà, donc on va suivre tout ça en direct.